Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo trouvaille brocante, enfin plutôt bourse aux jouets, parce que les brocantes il y en a de moins en moins, il en reste encore un petit peu, mais ça reste rare, en plus il fait hyper froid. Donc du coup c'est sur plusieurs week-ends, parce qu'il y a des week-ends où j'y suis pas allée, faute de temps, donc je vous ai tout réuni dans la même vidéo, comme ça fera une plus grande vidéo, sinon... C'est des vidéos de 3 minutes et je vois pas trop l'intérêt de vous les poster. J'ai trouvé aussi des livres à Emmaüs quand on y va avec ma meilleure amie. Du coup, je vous montre ça aussi dedans. Ça fait partie de la même catégorie. Donc voilà. Alors, en premier, j'ai trouvé... Donc c'est tous des livres de la collection de mon fils. Parce que là-bas, il y en a énormément. Donc du coup, je complète sa collection quand j'y vais. Alors, là j'ai trouvé Histoire comme ça. Catherine Certitude. À nous deux. Sauterelle. Mon ami Flicka. Donc ça, ça fait partie aussi de... Ça a été adapté en film. Bèbe. Le cochon devenu berger, donc un incontournable. Et le chat qui parlait malgré lui. Donc voilà, pour tout ça, je crois de mémoire que j'en ai eu pour 2 euros. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Pour Emmaüs, j'adore ça. Parce que autant qu'il y a des choses, je trouve ça, qui les revendent hyper cher. Autant les livres, c'est une mine d'or. Sauf certains. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ma meilleure amie se marie. Et du coup, donc, elle fait un thème champêtre. Et on s'était dit que ça pouvait être sympa de trouver des vieux livres. À tout hasard, la dernière fois, en écoutant à la caisse, il y avait une dame qui en avait acheté, ou un monsieur, je sais plus, bref. Et il est vendu 100 euros les 6 livres. Alors oui, c'est sûrement une grande collection et tout, mais c'est pour dire que les vieux livres, c'est pas top top. Enfin bref. Sur une... brocante je crois, ou une bourse, je sais plus, j'ai trouvé le camembert volant, donc voilà, je trouvais ça sympa comme histoire. Ça c'est un livre que mon fils va lire en une semaine, et encore je suis large, donc autant vous dire que c'est top. Et je l'ai vu à 1 euro, je crois. Ensuite j'ai trouvé ceci, donc ça c'est les livres de chez Hachette, les Disney cinéma, donc matelassé. Et ça, c'est la collection qui fait. Et donc, voilà, c'est cool. J'ai trouvé pour 2 euros, je crois. Donc, c'est top. Ensuite, hier, parce qu'aujourd'hui, on est lundi 3, 2 décembre, je sais plus. Enfin, bref, j'étais à deux bourses aux jouets. La première, j'ai rien trouvé. Et la deuxième, j'ai trouvé deux petits trucs. Mais bon, voilà, c'est toujours ça. Donc en premier j'ai trouvé ceci, donc c'est La Belle et la Bête. Donc en gros c'est la même collection mais en petit format. Et ça c'est la collection que fait ma sœur. Du coup quand j'en vois, bah, je lui prends et voilà. On se fait des échanges un peu comme ça. Elle sur les brocantes quand elle me trouve des choses, elle me les prend et moi je lui prends. Voilà, donc ça c'est top, ça complète sa petite collection. Petite, qui n'est pas si petite d'ailleurs. Ensuite on a trouvé... une petite BD, L'élève du cobu. Voilà, parce que mon doudou s'est mis à cette BD. Donc voilà, dès que j'en trouve, pour 3 euros. Voilà, parce qu'elle est quand même en super état. Donc voilà. Ensuite, j'ai retrouvé des livres. Toujours la même catégorie, Folio Junior, Le Bon Gros Géant. Pinocchio. Voilà. Camo et moi. Et donc pour les trois, j'en ai eu pour 1 euro. Je pensais qu'il allait me dire 1 euro pièce, il me dit non, 1 euro les trois. Bon, voilà, c'est top, j'avais pas chipoté. Ensuite, nous avons trouvé un jeu de société. C'est Défi Nature, le grand jeu. Voilà, ce genre de jeu que Doudou adore. Bon, on le connaît pas trop celui-là, donc on va voir. Si ça lui plaît, tant mieux. Sinon, bah, je le mettrai en vente. Voilà, il n'y a pas de raison, mais... Et je l'ai payé 4 euros. Ensuite...
explique. J'ai trouvé quelque chose pour ma filleule. Comme d'habitude. Trouver ceci. Donc, c'est le jeu du marteau là. Bon, j'ai pas le marteau qui est sous la main. Mais. Voilà. Hop. Voilà. On tape comme ça. Avec les couleurs et tout. Donc, ça, c'est top. Et je l'ai eu pour 3 euros. Ensuite, j'ai trouvé le jeu des ombres. Donc. Pour 3 euros, donc il manque une pièce. J'ai tenté de négocier. La dame a pas voulu, elle me dit oui, mais ça coûte une assez cher au niveau d'oxybule parce que c'est un oxybule et tout. J'ai dit ouais, bah j'essaye. Hein. Voilà, après, vous voulez ou vous voulez pas, ce n'est pas très grave. Bon, bref, j'ai pas le bon, mais en gros, voilà, il y a là sur l'éléphant, soit l'hippopotame, et puis on remet. Là, bon là c'est pas le bon mais parce que je trouve pas, c'est juste pour vous dire. Voilà, ça je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, 3 euros. Malgré tout ça vaut quand même le coup, mais j'ai essayé de négocier. Ensuite, c'était à la bourse aux jouets de Mormant, donc de ma ville, où je pensais pas trouver grand chose. Et au final j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Je suis hyper contente. J'ai trouvé des livres Mickey Club qui complètent ma collection. Donc Quasimodo l'ami fidèle, pardon, Basile détective privé, Oliver et compagnie, un anniversaire à surprise, le rat des villes et le rat des champs. Donc ça c'est cool parce que souvent je l'ai dans la vieille édition. Pas que je suis contre les vieilles éditions, mais je cherche quand même un état correct. Et à chaque fois, ils sont tous déchirés. Donc après, les Suisses me disent, oui, mais ils sont vieux. Oui, ils sont vieux, mais ça n'empêche pas que j'en ai vu des vieux, des anciennes éditions qui étaient en parfait état. Voilà, ça reste un livre, certes, mais voilà. Surtout qu'ils vendent souvent 2 euros les anciennes éditions, donc non. Et là, je les ai vus à 1 euro pièce. Donc c'est cool, ça complète ma petite collection. Ça grandit très très bien. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est Il était une fois la vie, mais l'intégrale en 6 DVD. Donc, ça prend beaucoup moins de place que la grande qu'on connaît des années 90 là, qui avait été fait en DVD avec un thème par DVD, qui était en fascicule de 26 ou 30 DVD, je sais plus exactement. Je l'ai vu plusieurs fois, mais franchement, bon, après, elle n'était pas si chère. Ça prend énormément de place. Déjà quand je vois par exemple, j'ai la collection de comment ça s'appelle, de l'Instit en tous les DVD séparés. J'aurais bien voulu trouver un coffret, mais je crois pas que ça existe. Faut, je vais pas regarder en même temps. Bah, ça prend énormément de place mine de rien. Je préfère les séries en coffret, ça prend moins de place et puis voilà. Donc j'avais trouvé déjà celui-ci, mais Il était une fois l'homme sur une brocante il y a extrêmement longtemps, maintenant il y a 2-3 ans, et j'étais en quête de celui-ci et je me suis dit mais je vais jamais le trouver, donc je l'avais mis dans mon panier Amazon et je me suis dit un jour je finirai par le prendre quand il baissera un petit peu, parce que des fois il est autour de 40 euros le coffret, voilà, et des fois ça descend à 20 et puis bon, je sais pas, j'ai attendu, et bah mine de rien j'ai bien fait d'attendre parce que je l'ai trouvé 1 euro sur la brocante. Voilà, le petit garçon me dit bah je vous le fais 1 euro. C'est 1€ les DVD. Bah voilà. La mère n'était pas très très contente à côté. Elle dit ah bon. Sauf que bon, ils m'ont dit 1€, c'est 1€ quoi. Et il n'y avait pas demandé à sa maman. Donc voilà. Et puis au final, j'ai attendu de voir si elle voulait pas augmenter le prix. Enfin, pas dans le sens que je voulais qu'elle augmente, mais savoir si c'était bien sûr le prix. Et puis au final, elle a laissé faire son fils. Donc je l'ai eu 1€. Donc autant vous dire que c'est top. Du coup je l'ai enfin, et sachant qu'il y a d'autres univers, il y a Il était une fois l'explorateur, Il était une fois l'espace, mais cela à mon avis je ne les trouverai jamais en brocante. Ouais, jamais dire jamais, mais bon, je ne pense pas. Et ensuite, pour finir cette vidéo, j'ai trouvé plein de livres pour ma soeur cette fois-ci. Donc voilà, c'est cette fameuse collection. Ça c'est écrit là, bon, c'est pas très grave. Voilà,
Donc ceux-là, je les ai trouvés à 2 euros pièce, mais sont franchement en excellent état. Elle en avait plein, la dame. Mais bon, malheureusement, je pouvais pas tout prendre parce que ma soeur me disait, bah oui, mais j'aimerais bien, mais voilà. Donc celui-ci. Ensuite, la fée clochette. Non, clochette et la fée pirate, pardon. Voilà. Le monde de Dory. En plus, il y en avait plein des nouveaux et tout. Donc ça, c'était cool. Les 100 dalmatiens. Franchement, ils sont super chouettes. La Reine des Neiges, une fête givrée. Et les mondes des Ralph. De Ralph, pardon. Les mondes de Ralph. Voilà, donc ça, je les ai eus pour 10 euros. Et franchement, ils sont en super état. Si j'avais pu tous lui prendre, je l'aurais pris. Mais bon, voilà. Je ne peux pas tout prendre. Donc voilà pour cette petite vidéo, vous avez vu, il n'y a pas énormément de choses. En même temps, j'en fais pas tous les week-ends en ce moment parce qu'on est partagé entre la famille, il faut aller voir un tel. En plus, là, il y a Noël qui arrive, il y a des achats à faire. Ça devient très compliqué, donc voilà, je suis un peu frustrée d'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis allée hier malgré que j'étais un peu fatiguée, j'aurais préféré me reposer. Mais voilà, j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai trouvé quand même des choses assez sympas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé ces derniers jours. Si vous y allez encore, si vous avez fait de bonnes affaires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous réponds toujours, pardon. Et puis, mettez un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, ça m'est égal. Et puis, si vous voulez continuer à voir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a d'autres qui arrivent très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!